Entreprendre au féminin aux Antilles-Guyane. On en parle dans cette salle. Pour moi, c'est important d'être ici en Martinique, de rencontrer d'autres talentueuses, d'autres femmes et de me nourrir d'elles. Des femmes, chefs d'entreprise, futurs chefs d'entreprise ou salariés. Nous sommes dans les murs de la SARA, 30% d'effectifs féminins, partenaires de l'opération. Il s'agit de faire le point sur les projets menés par des femmes et surtout accueillir celles qui ont besoin d'aide pour avancer. Pour ce faire, l'association Femmes d'Ubout est lancée aujourd'hui même la cohorte des talentueuses Martinique-Guadeloupe-Guyane, une quarantaine de projets d'ores et déjà enregistrés. Beaucoup de femmes n'ont pas forcément l'audace de pouvoir pousser plusieurs portes qui mènent vers la réussite. Donc il y en a certaines qui y arrivent, et fort heureusement, et d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, mais aussi d'un carnet d'adresses qui soit valable et qui puisse justement leur permettre d'aboutir donc, sur des opportunités d'affaires. Le principe de la cohorte, c'est de créer un groupe de femmes qui, ensemble, va traverser les différentes épreuves pour atteindre leurs différents objectifs. Donc là, dans mon cas précis, je suis en phase de création d'entreprise. Donc je veux créer un cabinet conseil justement pour mettre au cœur des acteurs la question de l'utilité sociale de leur activité. Et pour limiter les barrières, plusieurs partenaires comme le groupe Caisse des dépôts pour notamment des aides financières. Les femmes chefs d'entreprise sont souvent dans la restauration, l'agriculture ou les services à la personne. Cet établissement qui a 200 ans aujourd'hui s'est donné engagement depuis quelques années. Elle atteint chaque année cet objectif à faire accéder les femmes. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles ont la compétence, parce qu'elles osent. Elles se disent « oui, je peux ». Donc elles saisissent l'occasion et la Caisse des dépôts leur donne toute l'opportunité qu'il faut pour y arriver. La même opération devrait se dérouler en Guyane jeudi et vendredi prochains.